Wendy Cry. Ouh, ouais, je pars aussi. Bien le bonjour à vous, fans du Sanglot des Cigales, adorateurs du village maudit et surtout fanatiques du temple fouroudé. Waouh, cette intro était vraiment à chier. Chez-moi, je m'emballe. Et bienvenue sur Higurashimag. Oh mon dieu, c'est vraiment pas que je dis ça, c'est beau! La chaîne qui parlera officiellement de l'œuvre de Ryukishi07, donc la personne qui a créé Higurashi no Kokoro ni Le Sanglot des Cigales en français, ou Quand les cigales pleurent dans la traduction littérale, When They Cry pour les ricains, No Kokoro ni pour nous, Weebs, et le Inamizawa, le village maudit pour les Françaisiches qui ont regardé l'adaptation de Netflix. Voilà, voilà. Donc on va poser une bonne grosse base sur votre nez et prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est que tout ce bordel. Alors, expliquons. Bah c'est très simple. Voyons mes chers amis, un jour un homme est venu me dire en face... Ta gueule. Un jour un homme est venu me dire en face que mon amour pour Higurashi est si beau à voir que nous pourrions... créer une chaîne dédiée à cela. Évidemment, je suis tout seul pour créer ça. Mais une personne a dit cela. Et la personne ayant dit cela est un génie parce qu'il ne s'agit rien d'autre que de Théo Ardo, qui est un très grand homme. Un grand ami à moi. Ouais, les menus, c'est magnifique. Un grand ami à moi. Et Théo m'a donné cette idée. Et il a tout sauf tort. Il a même raison. Donc, j'ai décidé de créer cette chaîne qui est de base Mion Sonozaki, que vous connaissez tous, pour, justement, chaîne que j'emploie majoritairement pour les vidéos avec Ghost of Tsushima, en musique, sous fond Higurashiesque, et non seulement à côté de ça, les autres vidéos avec des musiques. Déjà, on va passer directement aux choses les plus secs et les trucs les plus douloureux à apprendre. Il n'y aura plus de vidéos musicales sur d'autres jeux, sur d'autres musiques hors Higurashi. C'est-à-dire que si vous voulez voir des musiques d'autres animés, eh ben c'est mort. Voilà, c'est fini. J'arrête, je l'ai fait une fois, je crois même pas. Je l'ai pas fait une fois. J'ai fait une musique qui est hors animé, qui est tonne de Aimer. Mais ça, c'est des petites expressions qui dérangent la règle parce que ces musiques sont magnifiques. Umineko, je l'ai fait même si c'est pas Higurashi, mais Umineko, parce que Umineko, c'est la suite spirituelle de Higurashi. Et j'ai bien dit suite spirituelle, hein. Venez pas me péter les genoux en disant oui, mais Sotsu et Gou sont les suites officielles. Et je le sais. Sotsu, je le regarde. D'ailleurs, critique à venir. Épisode 7. Bref, calmons-nous, éparpillons-nous pas, reprenons notre souffle. Et en gros, en fait, vu que Théo m'a dit cette petite idée, j'y réfléchis longuement, j'y réfléchis beaucoup de temps. Voilà, oh, c'est parfait ça. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment pas une mauvaise idée, que si je m'y cassais le cul un peu et que je m'y mettais vraiment, je pouvais pondre un truc. Et vous savez quoi? Bon, j'ai envie de le faire. Pourquoi? Parce qu'à part les jeux vidéo, j'aime parfois me faire plaisir en regardant quelques petits animés, et Higurashi a toujours été celui qui m'a sorti du lot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on va vite faire ça vite, je suis une personne qui aime beaucoup les animés shonen de base. Shonen, Neketsu, pour ceux qui connaissent le terme, en gros, des animés du style Naruto, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball,
des classicos où ça tape, ça gueule et c'est des grosses musiques de hard rock, vous voyez? Non, du coup, est-ce qu'on peut stopper cette musique? Oui, on peut, c'est incroyable. C'est mieux, non, là, c'est génial d'être une musique. Bref. Et en fait, le jour où j'ai découvert Higurashi, ce qui fait déjà, ça remonte maintenant à un an déjà, hein, putain de merde, un an que je suis fan de ça, j'essaie de suivre ce que Théo m'a dit. Et c'est ainsi que j'ai décidé de créer la chaîne Yon Smazaki, qui était un premier jet, si on peut appeler ça comme ça, où je faisais des vidéos sur Ghost of Tsushima à l'aide de mon petit téléphone, où je mettais des musiques d'Higurashi sur mon téléphone en faisant des mises en scène avec le mode photo de Ghost of Tsushima. Ça y aura encore, parce qu'il y aura encore des musiques d'Higurashi, mais ça je le referai, je continuerai à faire avec mon téléphone, certaines musiques se répéteront, mais bientôt, quand je pourrai, quand je saurai le faire, vous aurez des vidéos beaucoup mieux montées. Pourquoi? Parce que vous aurez directement la musique implantée dans la vidéo. C'est-à-dire que vous n'aurez pas mon téléphone qui fait la musique, mais directement la musique en fond, sonore. Et si et le jour où j'arrive à faire ça, ce sera magnifique. Très clairement. Trick or treat, c'est quoi ça? Ok. Le veine est de musique magnifique. Ouais. D'accord. Oh, celle-là est bien. Celle-là est magnifique. Et en fait, du coup, grâce à l'aide d'un très bon ami à moi, si tu passes par là, coucou Lato, à toi, je t'aime des bisous, on s'est mis hier à tabler à 3h du matin pour me faire une bannière Twitter, déjà parce que j'ai besoin d'une nouvelle bannière Twitter, et une bannière pour Higurashi Mag. Higurashi Mag nous a pris plus de temps que le bannière Twitter parce qu'en réalité on a fait une grosse pause, on est allé dormir quelques bonnes heures, Lato lui a dormi 2 heures, moi j'en ai dormi 8, enfin pas 8 mais 5, 6 quoi, jusqu'à 11h en tout cas. Et pour que quand à notre réveil, on reprenne sur la bannière Higurashi Mag. Vous aurez les images de la bannière au fond, ce sera même l'image de miniature de la vidéo, ce sera écrit au fond, je vous explique tout et je vous annonce les nouvelles à venir. Donc au programme, qu'est-ce qu'il va avoir sur Higurashi Mag? Au programme sur Higurashi Mag, il y aura, déjà, je tiens à l'avouer, à le clarifier, pour l'instant, très peu de matos parce que j'ai très peu de logiciels de montage sous les bras. Déjà, la vidéo que vous voyez actuellement est tournée sur PlayStation 5, et tourné sur PlayStation 5 et sera monté avec Shark Factory, vous voyez. Donc avant que des gens, des puristes viennent me casser les genoux en disant que je suis un incompétent, je n'ai pas le matériel nécessaire pour les monter sur PC. Voilà, déjà, on va mettre ça au clair, c'est que je n'ai pas le matériel nécessaire pour les mettre en page sur PC. Pas les musiques du générique, c'est dommage. Incroyable, les sons sont géniaux. Je vais rendre un peu les musiques, c'est quoi ça? Mazel Tov! Sinon, désolé. Ah, c'est parfait, on va mettre ça, parce que c'est la musique du menu. Il n'y a pas un autre? Je sais qu'il y en a une autre que j'aimais beaucoup. Je continue à parler en même temps, je m'éparpille, mais c'est pas grave. Parfait! Parfait! Incroyable! Incroyable, incroyable. Donc, du coup, reprenons et continuons notre explication. Bon, en fait, du coup, Higurashi Mag a enfin été fait, vous avez pu voir du coup l'amélioration de la bannière, mais maintenant, je suis aussi venu vous annoncer que la chaîne sera suspendue le temps qu'en plus de la bannière, nous ayons un logo qui va avec. Parce qu'on n'a toujours pas le logo. Le logo, si vous regardez, c'est toujours Mion Smazaki et sa jolie tête avec des cheveux verts. Très jolie tête d'ailleurs. Et en fait, pour l'instant, du coup, vous n'aurez pas de vidéo, donc c'est pour ça que la critique sur l'épisode 7 sortira en retard, parce que l'épisode 7, bah, je pour le critiquer, il me faut bien une chaîne YouTube pour le faire, et pour l'instant, ma chaîne YouTube, elle est occupée à être retravaillée, vu qu'on doit faire le logo, mais ça nous prend très peu de temps, donc attendez-vous au retour des vidéos critiques et au retour des vidéos. Donc en programme, on fait le programme, voilà, le sommaire de ce qui va venir. Au sommaire, je vous le résume très vite. Au sommaire, nous aurons, alors je précise, nous aurons le jeu sur PlayStation 5 fait. Je tiens à dire qu'il sera en full japonais. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous poser immédiatement le décor de pourquoi est-ce que je le fais entièrement en japonais alors que je l'ai sur mon ordi et que je peux vous le faire en français. Déjà parce que mon ordi, je n'ai pas le matériel pour mettre ma voix, je n'ai pas de micro. Et parce que je trouve que être dans une pseudo-incompréhension, c'est intéressant qu'on pourrait imaginer les scènes. Alors, attendez avant de m'engueuler en me disant que c'est pas logique, je vais vous expliquer. J'ai assez de connaissances en termes d'ouïe et de vocabulaire pour vous traduire ça avec ce que j'entends.
J'essaie de moi-même imaginer la chose pour pouvoir vous fournir la traduction la plus raisonnable, la plus logique qui soit. Ça veut dire que pendant qu'on fera les chapitres, vu qu'on les fera les chapitres, je vous ferai moi la traduction, soit à l'aide de mon téléphone, soit de moi-même, avec ce que je reconnais comme son ou ce que je connais du chapitre Onikakushi. Évidemment, je précise Onikakushi parce que c'est le premier chapitre qu'on fera, vu que c'est logique, c'est le premier. Donc voilà. Au sommaire, vous aurez donc le jeu fait sur PlayStation 5. Peut-être qu'on fera le jeu PC, ça reste à voir, mais je pense qu'on fera surtout celui sur console. Avec la traduction, je préfère faire ça, c'est plus immersif. Enfin, du moins, selon moi, je trouve ça mieux. Du coup, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à lire vous-même, parce que ce sera moi directement qui vous traduirai la chose. En essayant d'imiter un peu les phrases comme je les comprends. Et si jamais on n'est pas sûr, ben on mettra les. Pour des scènes qui me paraissent inconnues, on utilisera Google Traduction. Voilà. Comme ça, vous pourrez profiter du let's play en agréable. Dans le moment et dans les manières les plus agréables qui soient. Évidemment, tout ça sera fait en stream sur la chaîne YouTube Higurashi Mag. C'est-à-dire que ce ne sera pas en stream sur Twitch ou sur quelconque connerie, ni en vidéo ni en VOD. Ce sera en stream. Parce que si on fait des VOD sur le chapitre Onikakushi, ce sera beaucoup trop long. Je vais vous donner une idée claire et simple. Le VN en lui-même, si on compte des arcs consoles, c'est 300 heures de putain de lecture. Et aller faire 3. Et si on fait une heure de stream une heure de stream à chaque fois, on va devoir faire au moins 300 streams. On fera des longs streams, ce sera de très longs streams, de 5-4 heures si on y arrive à faire ça plus tôt. Si on commencera, ce seront des streams qui commenceront tôt du coup. On fera genre 5-4 heures de stream, ou un peu plus tôt, genre 3-4, au moins 3-4 heures, vous voyez. Des critiques des épisodes de Higurashi Sotsu qui ont déjà commencé avec les débuts, que je fais déjà un peu, voilà. Et surtout, le plus important, et je sais que ça, vous le réclamez beaucoup, les analyses des personnages. J'ai fait un truc sur Mion, un premier jet sur Mion, mais je vais le ressortir en meilleure qualité, mieux monté, avec un meilleur fond. Pour vous expliquer en très grand, mieux. Parce que vu que je jouais à Ghost of Tsushima en même temps sur cette vidéo, il y avait des moments où je m'éparpillais pour me concentrer sur des combats aléatoires et totalement random et fucked up. Donc maintenant, on aura deux types de vidéos. Soit on aura des vidéos où je mettrai du Ghost of Tsushima, mais ce sera un fond fixe, c'est-à-dire le mode photo avec quelques effets où vous verrez des feuilles tomber et du vent souffler. Soit ce sera directement sur Higurashi Nonaku Koroni. Ou voire même mieux, ce sera tellement bien monté, vu que je suis un génie, que vous aurez l'opening du jeu au début de la vidéo, et ensuite, vous aurez immédiatement le Fabulous et Mysterious vidéo qui va suivre soit sur le jeu, soit sur le jeu. Voilà. Mais ça, c'est les VOD qui seront montés. Voilà, voilà. Ça, c'est dit. Donc, il y aura ça, et du coup, il y aura aussi la analyse des autres personnages. Il n'y aura pas que Mew, il y aura Shion, Rika, Satoko, Reina, Keiichi. On fera un peu tout ça. Il y aura Anyu aussi, mais ça, j'en parle très peu parce qu'Anyu, c'est un élément majeur du scénario. Et je parlerai aussi un peu des théories after Sotsu, c'est-à-dire que je parlerai de ce que je pense de Sotsu globalement. Je ferai un live après la fin de Sotsu pour que je puisse en parler. Parce que je trouve que c'est un en parler, c'est quoi ça? Cette musique est rigolo. Cette musique est bien. Incroyable cette musique. Et justement, on fera ça, on pratiquera ça comme ça. Voilà. Donc ce sera tout ce que viendra sur Higurashi Mag. À savoir du Higurashi, du Higurashi, encore du Higurashi. Pour ceux qui me découvrent avec cette chaîne et vous êtes les humbles bienvenus, vous aurez en lien dans la description de la chaîne YouTube le lien direct pour Rico Multimédia. Qu'est-ce que Rico Multimédia? C'est ma seconde, enfin, c'est même pas ma seconde, c'est ma première chaîne en réalité, où je streamerai sur d'autres jeux. Vous me verrez en live, en VOD sur plein d'autres jeux à la con. On stream sur des jeux multi avec Théo Ardo ou d'autres personnes. Ou directement pour débattre sur un jeu quelconque, ou sur des théories quelconques, ou sur un CG quelconque, de manière logique. Voilà, voilà. Ce serait tout ce que vous aurez accès sur Rico Multimédia. Pour ceux qui me connaissent grâce à Higurashi, et qui ne veulent exclusivement que du Higurashi, Higurashi Mag est fait pour vous.
Higurashima que j'ai fait pour vous, car très clairement, vous n'aurez que du gouache sur cette scène. Il y a, dites-vous récemment que j'avais tourné une vidéo où je vous avais mis sous fond de Spider-Man Miles Morales le générique de Jujutsu Kaisen. Et je vais vous mettre sur cette chaîne. Mais maintenant que ça a été renommé en Higurashima avec ce projet officiel, et ben vous n'aurez plus de vidéos extérieures hors animé. Si vous en aurez, ce sera soit exceptionnellement sur Rico Multimédia, soit sur ailleurs. Mais les musiques que je mettrai, les musiques d'Higurashi, c'est-à-dire, admettons, je fais une vidéo sur Ghost of Tsushima avec I Believe What You Said, le titre générique de Gou, bah là, vous l'aurez sur cette sur Higurashi Max, ce qui est logique, parce que c'est justement la chaîne consacrée à Higurashi. Donc voilà. Donc vous avez maintenant cette seconde chaîne qui est officielle. Donc en réalité, cette vidéo est une petite annonce pour vous informer du pseudo-avenir de la chaîne. Et surtout pour vous informer que la chaîne pour l'instant n'aura pas de contenu. Donc ceux qui attendent avec grande impatience la critique de l'épisode 7, calmez-vous, vous l'aurez, calmez-vous, mes hordes de fans en délire, vous aurez votre épisode. Vous aurez votre critique de l'épisode 7. Alors, même temps, lui, c'est marrant. Donc, vous aurez du coup en même temps cette chose, justement. Et du coup, là, vous pourrez en profiter agréablement. Et bah voilà, vous serez servi. Wouah, c'est génial ça! Tu vois? Oh, c'est génial, on peut revoir le générique MDR. C'est bon. Mais un peu. Mais voilà. Évidemment, la majorité des vidéos et des streams seront tournées sur ce jeu qui est Higurashi na Kokoro ni Ao, qui est la version PlayStation de Higurashi le VN, qui sera en full japonais comme vous le voyez à l'écran, mais qui sera justement voilà, qui sera justement en stream quand même, même si c'est japonais, on s'en bat les races, on le fera. Et ça, c'est obligé. Voilà. Donc sur ce, je vous ai un peu presque tout dit. Je suis désolé si je m'éparpille beaucoup ou si je me perds beaucoup. J'espère que j'ai été assez clair. Mais si vous n'avez pas compris, je vais vous le refaire en très gros. Je vais aller plus vite cette fois et vous expliquer un peu tout ça sur la fin. Comme ça, il n'y a pas de perte. Pas de perte, oui, de perte, oui, bravo connard. Pas de perte. Je vais essayer qu'il n'y aura pas de son. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en très gros. En très gros. Higurashi Mag, nouveau départ pour la chaîne Lion Sonozaki qui de base était une chaîne consacrée à Higurashi et à d'autres trucs, mais maintenant sera consacré qu'à Higurashi, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de musique d'autres animés, ou comme je vous l'ai dit, il y aura justement les musiques un peu comme celle de Tone de Aimer qui est exceptionnelle, mais à part ça, vous aurez que du Higurashi. Les vidéos de Ghost of Tsushima, pour ceux qui les aimaient un poil quand même, il y en aura toujours. Pour ceux qui voulaient voir d'autres musiques d'animés, il y en aura. Il n'y aura pas d'autres musiques animées, vous aurez que du Higurashi. Donc ça c'est simple. Vous aurez aussi la critique des épisodes de Sotsu, avec un peu de retard certes, parce que je ne serai pas constamment à la maison les semaines pour le faire. Je serai soit là à la maison le week-end, donc vous aurez peut-être votre vidéo le week-end, si je ne l'oublie pas bien évidemment. Et vous aurez le jeu Higurashi fait sur des longues sessions de stream en live. Voilà. Sur la chaîne YouTube, toujours Higurashi Mag. Vous aurez justement pour ceux qui n'ont pas vu la bannière ou une petite photo en fin de vidéo, et justement vous la verrez sur la miniature justement. Voilà, ce sera la vidéo sur la minia. Vous aurez du coup en dessous, bah justement, je vous explique et vous annonce un peu tout. Voilà. Donc sur ce, maintenant que je vais un peu tout dire là-dessus, je pense que je peux vous souhaiter à tous une agréable et bonne soirée. Et vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Maintenant qu'on a lancé Higurashima, je suis d'autant plus heureux parce que putain, ça me rend heureux en vrai. Donc c'est pour parler d'Higurashi, j'en raffole d'en parler. Donc moi sur ce, je dis générique de fin et je vous laisse apprécier et on coupe après. Allez, bisous à tous et à la prochaine. Générique.